Eh bien, nous voilà à Casablanca en 2050. Casa est devenue la capitale mondiale de production d'électronique équitable. Partout au Maroc, des petites mines artisanales d'étain, de cuivre, d'argent fournissent à des petites entreprises vertes de quoi produire des composants électroniques équitables. La majorité de la production de ces composants équitables est destinée à la fabrication d'une désormais célèbre spécialité marocaine, le smartphone Beldi. Beldi, comme on dit au Maroc, pour parler des produits fermiers sains et savoureux, produits localement dans les petits villages, généralement autour des grandes villes. Notre smartphone Beldi est donc un smartphone équitable, car il est le fruit, je vais la poser, car il est le fruit d'une activité économique au service des hommes qui la développent. Une activité économique au service des environnements où cette activité prend place. Notre smartphone Beldi est aussi un smartphone apaisé, car nous le verrons, il va à l'essentiel des usages simplifiés. Il va à l'essentiel des usages du web en mobilité. Et c'est aussi un téléphone qui propose une connectivité réfléchie, maîtrisée et non intrusive. Ce n'est pas le genre de téléphone qui va vous déranger pendant vos réflexions au travail ou dans les moments de partage entre amis, en famille. Tout est fait pour vous laisser tranquille dans les vrais moments de vie. Mais pour être équitable jusqu'au bout de l'antenne, le smartphone Beldi est expédié vers l'Europe, l'Amérique ou l'Asie à bord de petits porte-containers voiliers, une start-up coopérative gérée par des artisans marins. Revenons en 2012 et imaginons ce soir ensemble à quoi pourrait ressembler le prototype d'un smartphone Beldi. Alors pour respecter l'environnement, il y a deux gros leviers. Produire moins de matières premières, utiliser moins de matières premières et faire moins de déchets. Il faut donc des appareils durables, qui durent beaucoup plus longtemps. Le smartphone Beldi est fait pour durer toute une vie. Il est donc réparable et modifiable au gré des changements de normes de réseau, 2G, 3G, etc. Mais regardons ensemble la base de notre téléphone. Autour d'un écran à encre bistable, c'est l'écran noir et blanc des premières liseuses de livres numériques. Ça n'éclaire pas, ça ne consomme pratiquement pas de batterie. Nous lui ajoutons un clavier texte et un bloc antenne 2G, 3G, que l'on pourra simplement changer le jour où la 3G aura complètement disparu. Un micro, un écouteur pour les usages voix. Avec ces simples outils, on va pouvoir évidemment téléphoner, envoyer et recevoir du texte. Envoyer et recevoir des images vectorielles. Ce sont les images numériques très légères utilisées dans les plans, la cartographie en ligne. Avec ces outils-là, on va tout de même pouvoir lire et consulter nos emails. Tous les messages, pourvu que ce soit du texte. SMS, tweet, message Facebook, uniquement le texte. Et puis bien sûr, avoir accès à tout le savoir mondial disponible sur les wikis ou la presse. Il manque les plans, la cartographie pour les modes d'emploi. Ces usages ont l'air simples, basiques, mais ils permettent tout de même d'étudier, de monter ou gérer une entreprise, de trouver l'amour de sa vie, d'acheter des billets de train, de trouver un canapé
passer la nuit en voyage. Et pourquoi pas de faire la révolution. Alors, pourquoi c'est si important d'imaginer un tel téléphone? Eh bien, je pense que moi, comme vous, nous faisons partie d'une génération pour qui l'électronique est un outil fantastique pour changer le monde, pour améliorer le monde, d'un point de vue social et environnemental. Les éoliennes, les panneaux solaires fabriquent une électricité des plus propres. Partout dans le monde, comme au Maroc, des systèmes d'éclairage basse consommation liés à des panneaux solaires et à des batteries permettent d'amener l'électricité aux 1/5 des foyers mondiaux qui n'ont pas accès au réseau électrique et qui s'éclairaient le soir venu à l'aide de petites lampes à pétrole, causant brûlures, problèmes pulmonaires et incendies. Enfin, le triptyque magique, téléphone portable, blogs et réseaux sociaux permettent d'échanger des informations sur les sujets que les médias traditionnels ne relaient pas. Pollution, corruption, violence policière. Donc oui, l'électronique et tous ces systèmes, tous ces appareils, sont des outils fantastiques pour améliorer le monde, socialement et environnementalement. Malheureusement, la production de ces composants est parfois nocive pour les hommes, les femmes et l'environnement. Mines à ciel ouvert, géantes, qui polluent l'air et l'eau des nappes phréatiques. Très bas salaire dans l'assemblage de l'électronique. Et surproduction d'appareils, rapidement obsolètes. En France, nous changeons de téléphone tous les 18 mois et d'ordinateur portable tous les 3 ou 4 ans. Ces appareils vont grossir les rangs de décharges de déchets électroniques sauvages, généralement en Afrique ou en Asie. Il est donc urgent d'imaginer une filière électronique équitable, de la mine d'extraction au smartphone. Une filière faisant une belle place à l'artisanat, une filière qui va permettre aux économies locales de se développer si, par chance, on a du minerai sous les pieds. Alors, réunissons autour d'une table les universités, les ONG, les collectivités territoriales, les entrepreneurs, les opérateurs téléphoniques et les investisseurs, pour qu'ensemble, ils préparent dès aujourd'hui les filières électroniques équitables de demain. Alors évidemment, au Maroc, tous les minerais de l'électronique ne sont pas disponibles. Alors, nous pourrons nous approvisionner grâce à nos petits navires coopératifs d'artisans marins à voile dans d'autres pays producteurs d'électronique équitable. La Mongolie, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo et pourquoi pas le Ghana, qui a une des plus grosses décharges de déchets électroniques du monde. Alors évidemment, produire de l'électronique en petite quantité, de manière artisanale, devrait être un peu plus cher. Et c'est là qu'on retrouve notre bon smartphone Beldi. Fier de participer au développement des régions où il est produit, durable, fait pour durer toute une vie, il ouvre un marché. Le marché d'une électronique légèrement plus coûteuse à produire. Et il devient ainsi l'ambassadeur grand public de l'électronique équitable. Alors, quand je présente ce projet, ce téléphone, on me dit que ça va à l'encontre du progrès, que ça va à l'encontre de ce que les gens attendent de leur téléphone. Je me suis juste posé la question, et je vous la pose ce soir. Est-ce qu'on a tous besoin de tout cela ? Des photos et des vidéos en HD, des processeurs surpuissants, une connectivité permanente. Je vais vous présenter quelques exemples qui, moi, m'ont fait réfléchir. Un smartphone de 2011 est 2 fois plus puissant que l'ensemble des ordinateurs utilisés par la NASA en 1969,
pour faire atterrir Apollo 11 sur la Lune. L'exemple semble vieux. Aujourd'hui, sur Mars, le robot Curiosity, il sera quasiment autonome pendant 2 ans. On va creuser le sol, analyser, chercher des traces de vie, avec 4 fois moins de puissance que n'importe quel smartphone actuel. Mais revenons sur Terre, en Californie, où les cadres des plus grandes sociétés du web de la Silicon Valley dépensent des fortunes pour envoyer leurs enfants dans des écoles sans ordinateur. Au programme, randonnée, astronomie, construction de fours solaires, philosophie, théâtre, peut-être un jour seront-ils très doués pour faire des TED. Voilà comment est formée l'élite américaine de demain. Sans ordinateur, mais bien connectée à la Terre et aux hommes. Encore plus près de nous, sur Internet, se prépare l'émergence du mouvement Slow Web, à l'image de certains revues en ligne qui ont fait le pari de ne éditer qu'un article par semaine, voire par mois. L'article est excellemment bien écrit, et cela donne le temps aux internautes de le lire, de le commenter, de le partager, de se renseigner. Ce qui fait naître une réflexion hors actualité sur des sujets de société, comme on peut en voir ici. Alors, moins de puissance, moins de connectivité, des usages simplifiés. Pour moi, c'est tout, sauf le retour à la bougie. C'est simplement donner la priorité à la puissance des idées, à la puissance des relations humaines, et mettre pour un temps de côté la simple puissance des processeurs. Alors, tout à l'heure, le mot farfelu est sorti. Peut-être cela peut paraître un peu farfelu ou déplacé. Moi, j'ai plutôt le sentiment que le monde est prêt à accueillir ce genre de projet. Des projets avec des mines équitables qui participent à l'économie des petits villages où elles ont lieu. Des téléphones qui durent toute une vie, qui ne vont pas polluer les grandes décharges de l'électronique mondiale. Quelques chiffres. L'agriculture et les produits équitables, leur part de marché, ont été multipliées par 17 ces 10 dernières années. Sur la même période, le chiffre d'affaires de l'agriculture biologique est passé de 15 milliards de dollars par an à 60 milliards de dollars par an. Il y a fort à parier que les consommateurs d'agriculture équitable ou biologique réclameront bientôt que leur smartphone soit tout aussi équitable que leur chocolat ou leur café. Il y a quelques mois, à Londres, sur la scène du TEDx Exeter, Bandy Mboubi nous a raconté combien l'extraction du coltan. Le coltan, c'est un minerai nécessaire à la fabrication des téléphones portables. Combien l'extraction du coltan n'a porté à son pays, la République démocratique du Congo, que misère, pollution et violence. Alors si le monde semble prêt, le Maroc me paraît l'être tout autant. À Casablanca, le 5e magasin bio vient d'ouvrir et des enfants de 10 ans veulent mettre des jardins sur les toits. La Blogoma et la Twitoma est animée par des internautes avides de progrès social, sociétal et environnemental. Une revue en ligne que vous devez connaître, comme Talk Morocco, a fait le choix de publier une fois par mois un dossier collaboratif traitant de grands sujets de société et qui permettent d'amener une réflexion pour construire un Maroc encore plus juste, encore plus équitable. Depuis 3 ans, sur la scène des TEDx marocains, sont fêtés les esprits libres et les entrepreneurs audacieux. Le Maroc est en train de développer son projet de ville verte, un projet de ville centré autour d'une université dédiée au développement durable. Un partenariat vient d'être signé avec l'école des mines de Paris, et des pourparlers sont en cours avec le MIT, le grand institut de recherche technologique américain. Et enfin, le Maroc possède de nombreux minerais nécessaires à la production d'électronique. Alors le Maroc, comme la France, comme la Mongolie, l'Afghanistan ou la République démocratique du Congo, sont des pays à la jeunesse fougueuse et avides de progrès social et environnemental. Ensemble,
Il possède des universités de pointe, des minerais de qualité, des entrepreneurs audacieux et, espérons-le, des opérateurs et des investisseurs visionnaires. Donc il ne tient plus qu'à nous, tous, d'actionner, d'activer, de réclamer une électronique plus juste pour les hommes, les femmes et les environnements, plus juste du petit artisan mineur des campagnes à la boutique de smartphones de nos centres-villes. Rendez-vous en 2050. Merci.